Soki balobi yaka. Chers compatriotes, nous vous invitons ce samedi 14 octobre pour plaider nos morts, les victimes du massacre des gardes républicains de Tshilombo Tshisekedi qui doit dégager. Alors venez nombreux journées de la jeunesse à manifester de la place de la République. Soyons nombreux à 13h. Inde ta maman. Bonsoir, je suis Martine Keivao de la Côte d'Ivoire. Membre de PDT panafricain de terrain en France. Je rejoins mes frères de la RDC contre les crimes perpétrés par Tshisekedi le 30 août dernier à Goma contre les femmes, les enfants et les vieillards, tout ça. Et comme vous le savez, on a toujours fonctionné. Nous luttons contre les crimes, tous nos dictateurs qui se réunissent au sein de l'Afrique, là, et qui ne font que nous massacrer à longueur de journée avec nos enfants, tout ça. Et donc, je me joins à mes frères pour le 14 octobre, faire la marche du 14 octobre dans le même tempo. Nous serons aussi le 28 octobre 2023 à la CPI pour les mêmes causes contre Ouattara en Côte d'Ivoire avec ses dozos qui ont perpétré aussi un génocide à l'ouest du pays et sur tout l'ensemble du territoire. Et comme à PDT, nous sommes tous unis pour la même lutte, tous ces crimes qui sont perpétrés sur le territoire. Et donc, nous sommes désormais une famille. Celui qui touche à un Congolais, c'est comme s'il touchait à un Ivoirien. Tu touches à un Camerounais, c'est comme si tu touches au Sénégalais. Et nous formons désormais une seule et unique famille pour lutter contre ces dictateurs. Merci à tous. Tous les panafricains de terrain, vous êtes invités à être présents ce jour-là du 14 octobre, place de la République, à 13h. Ingeta. Une cour pénale africaine pour juger Tshisekedi et sa milice. Ingeta. 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 Sortez le 14 pour nous retrouver à la place de la République. J'y serai et les panafricanistes de terrain aussi. Les panafricanistes de terrain se mobilisent contre le crime de génocide perpétré par la milice de Tshisekedi le 30 août en Goma. Pour ce faire, nous appelons une cour pénale africaine pour juger Tshisekedi et sa milice. Ingeta. 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 Sortez le 14, nous retrouver à la place de la République. Et après cette manifestation, on vous parlera aussi du 28 avec la Côte d'Ivoire. Ingeta. 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 Non au massacre de 200 civils par Tshisekedi et sa garde républicaine. Le 30 août en Goma. Justice pour les victimes. Ingeta. 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 Le 14 octobre. Nous serons tous à la place de la République. Venons nous rejoindre pour demander justice, pour faire la marche et pour mettre à genoux les milices de Tshisekedi. Ingeta. 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 Les PDT, les panafricains de terrain, fidèles à leur logique et à leur idéologie de la lutte de libération des peuples africains, demandent que les Africains de France sortent massivement pour rejoindre la place de la République le samedi 14 octobre pour dénoncer les tueries de 200 civils par Tshisekedi et sa garde républicaine que nous appelons une milice armée. Mm-hmm. Donc que les Camerounais, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Gabonais, les Congolais, que tous se retrouvent et tous les autres peuples africains qui se retrouvent à la place de la République le 14 octobre à 13h pour dénoncer les massacres des populations de Goma par Tshisekedi et sa milice. Et j'ajoute qu'on ne va pas s'arrêter là.
Parce que nous ne nous limitons pas à traquer les dictateurs, n'est-ce pas, en France, qui est considérée comme étant la capitale de la diplomatie mondiale. Nous les traquons, mais aussi, nous avons décidé d'intenter désormais des actions en justice contre ces dictateurs-là qui massacrent leur peuple. C'est pour cela qu'après le 14 octobre, après la démonstration de force que les panafricains feront le 14 octobre à la place de la République, en demandant que justice soit faite, soit rendue par rapport aux victimes, n'est-ce pas, des massacres de Tshisekedi, nous enchaînerons le week-end suivant, à savoir le 28, nous nous rendrons, n'est-ce pas, à la CPI pour redéposer sur la table, n'est-ce pas, de la CPI, le dossier de poursuite contre les massacres perpétrés par Ouattara et ses collaborateurs sur le peuple, n'est-ce pas, de Côte d'Ivoire. Donc, le 14, place de la République, pour dire non au massacre des civils à Goma. Et ensuite, le 28, nous serons, n'est-ce pas, en déplacement à la CPI pour une fois de plus, parce que nous avons été en justice pour redéposer sur la table, n'est-ce pas, des juges, n'est-ce pas, le dossier de plainte contre Ouattara et ses complices suite aux crimes perpétrés, n'est-ce pas, durant le conflit, n'est-ce pas, post-électoral de la Côte d'Ivoire en 2010. Ingeta, 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 Wambola, Animate, Wambola, Animate, Soki Balobi Tika, Tika, Soki Balobi Yaka, Yaka, Soki Balobi Yaka.